Forum débat consacré aux racailles de France, ce collectif qui a choisi, au contraire de certains qui préfèrent lancer des énormités afin d'occuper l'espace public, d'afficher des plaques commémoratives dans Paris en l'honneur de leurs parents, de leurs grands-parents qui ont tout donné pour une France qui n'a aucune considération presque pour leurs petits enfants. Bonsoir, bienvenue sur Beurre FM. Je voulais juste féliciter d'abord les jeunes qui se sont organisés. Et il faut savoir que les pouvoirs en général sont prêts à payer pour exister ce genre d'organisation. C'est extrêmement efficace. Je vous remercie, commandant, le collectif de racailles de France. Je les encourage effectivement parce qu'il faut qu'on se respecte. Ouais. Quelqu'un qui ne te respecte pas, il ne t'aime pas. Les politiques, voir des jeunes comme cela s'exprimer comme ça, sincèrement, les pousse à guetter très près ces petits mouvements. C'est pas un groupuscule. Ces jeunes-là, ils ont tout à fait raison, y compris. C'est des citoyens éveillés, des gens qui avec courage et surtout, monsieur, sans calcul, expriment leur citoyenneté, et ça fait peur. Ces pseudo-intellectuels, ces hommes politiques, en fait, ces fossoyeurs des mémoires, cherchent à priver des peuples entiers de leur lien avec leur culture et leur histoire. Il y a quelque chose dans la mémoire et dans l'esprit qui devient malfaisant. Un non-respect et une non-acceptation de l'autre. C'est triste à le dire, la France fait d'énormes pas en arrière. Et la France ne mérite pas ça. La France est devenue un pays de unicolore. Je voudrais intervenir par rapport à M. Sarkozy. Ah, c'est pas du tout. Pardon. C'est pas du tout le sujet de ce soir. C'est pas du tout le sujet. Ah non. Est-ce que je peux quand même. C'est le meilleur qui existe de tous les hommes politiques, droite-gauche confondus, en termes de com. Il la maîtrise mieux que nous tous, à la limite des gens d'image. 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 Racisme, harcèlement, discrimination, ces dénonciations relèvent-elles du fantasme? Qu'est-ce qui vous différencie encore de M. Le Pen et du discours du Front National? Il y a une grande différence entre vous et moi. Je vais vous dire quelque chose, quand il sera plus là, qu'est-ce que vous ferez? Il va vous manquer, hein. Après ses propos sur la racaille et sur les voyous, sa popularité fait un bond de 11 points avec 63% d'opinion favorable. On a fait venir des Algériens qui étaient analphabètes et qui venaient du fin fond du bled algérien, tout ça pour qu'ils ne se syndiquent pas. Les enfants des émigrés, on n'en parlait pas, ça n'existe pas, c'était pas un problème. On en fabriquait des délinquants. Quand ils suspendent les allocations aux parents des mineurs délinquants, on nous répond à 91% oui. Il y a en effet un programme national qui vise à améliorer les conditions d'existence de ces travailleurs immigrés. Je suis la mise en œuvre de ce programme. C'est important pour vous d'utiliser cette madame? Ben, c'est très important parce que si nous ne les avions pas, je ne sais pas très bien comment nous ferions. Dans les inconscients collectifs, le Mohamed ou la Fatima sont capables d'être un peu d'oublier, mais ne sont pas capables d'être un quart. Ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes. Le Mohamed et Fatima sont capables d'obéir, ils ne sont pas capables de dire.
j'ai l'impression d'avoir été trahi en fait. Vraiment, j'ai honte, si vous voulez, en tant que citoyen français. L'issue de l'immigration, on n'a pas du tout les mêmes chances que les autres, entre parenthèses, les Français de France. Est-ce que la France accepte réellement d'intégrer les enfants qui sont nés ici? On a besoin en France d'une police de lutte contre les discriminations. Moi, j'ai la trouille quand je les vois. Là, je sors pas. Je ne sors pas. Moi, qui suis une ancienne femme de flic, j'ai maintenant peur de la police. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. C'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation. Donc vous foutez ça dans la tête. L'interpellation. C'est pas vous les maths, les gars. La lutte contre la délinquance. Les maths, c'est nous. On se rend compte à quel point l'avenir repose sur nos enfants et les enfants de nos enfants. En fait, j'appelle pour encourager ce mouvement, ce qui serait très très bien, c'est d'aller plus voter. Je tiens à vous exposer aujourd'hui quelques grands problèmes qui nous concernent tous. En France, la meilleure manière de servir notre révolution consiste à nous éduquer, à nous perfectionner dans un métier, afin qu'à notre retour au pays, nous puissions utiliser nos connaissances au profit du développement de notre économie. Pour que l'indépendance soit réelle, il nous faudrait faire disparaître tout l'héritage que nous ont légué nos anciens exploiteurs, c'est-à-dire la misère, le chômage, l'analphabétisme, une situation sanitaire effroyable, etc. Cette lutte consiste à détruire les structures coloniales et à adopter de nouvelles structures capables de faciliter le développement économique et social pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit plus qu'un vague souvenir dans nos esprits. Pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit plus qu'un vague souvenir dans nos esprits. Pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit plus qu'un vague souvenir dans nos esprits.